Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu quand même, suite à mes petits problèmes de santé. Santé Marcel, pardon. J'espère que mes plantes vertes vous ont bien tenu compagnie. J'ai eu une seule réponse, vous êtes unanime pour me dire que ce sont des tomates. Et non, ce ne sont pas des tomates, désolé les enfants. Mais c'est pas grave, hein, du coup j'attends de voir si quelqu'un trouve ce que c'est. Donc vous pouvez continuer à essayer de me balancer des idées. Et si c'est juste, je vous le ferai savoir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Ceci est nouvel ascenseur que j'ai fait dans le Mind Test for Fun en anglais. Ok, ça marche très bien, sauf que je me retrouve à l'extérieur suite à une magnifique bêtise de ma part. Donc, je vais devoir changer un petit peu l'orientation. Sachant que je voulais monter de 2 et poser un kart. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je monte de 3 après un kart, donc c'est la catastrophe. Donc, on va démonter tout ça. Enfin, tout, pas non, pas tout. On va démonter ce qui n'a pas lieu d'être. Finalement, voilà. Ça, c'est pas juste. On a enlevé un. Et on va remonter ça correctement. Voilà. Alors. Boum, 1, 2. Ensuite, ça, on va le casser, ça sert à rien. Voilà, 1, 2. Donc là, ça vient là. Toi, tu me reviens, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, si je résume, j'aimerais enlever ça. Voilà, finalement j'aimerais pouvoir faire un escalier comme ça. Ok, alors on va démonter un peu là en haut. On fait ça en mode complètement YOLO, il n'y a pas de souci. De toute façon, on a le temps, c'est pas grave. Ok, voilà. Pom, 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 pom. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir faire avancer un peu cette tour d'Eiffel qui prend son temps. Tac. Ok. Et c'est qu'il y a. C'est comme ça fait un petit moment que je suis pas revenu. Il y a un petit lot de nouveautés assez sympa. Notamment, j'ai vu que la nuit, maintenant, on a des méchants loups qui vous attaquent. Ils sont. Ouais, ça va. Ils sont méchants, mais pas trop quand même. Bah, disons, ils font très mal. Mais ils peuvent prendre peu de dégâts avant de mourir, donc au final ça va, c'est pas trop trop grave encore. Tac. Alors comment je vais faire ça maintenant? Je vais faire tac, 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 tac. Voilà, l'astuce on va monter comme ça. What is that? On va s'enlever ça. Voilà, ben, ça c'est logique en même temps. Donc on a des loups, on a aussi maintenant une petite barre de mana qui est apparue, ce qui permettra à ma tour d'avoir un système de sortilège. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne sais pas exactement quel mode va être utilisé pour ça. Mais voilà, quand j'aurai plus d'infos, je vous tiendrai informé bien sûr. Pouf, pouf, pouf. Allez, on revient par là. Tac. Voilà. Si je fais comme ça, normalement je suis sûr d'avoir le bon pattern d'escalier. Allez. Il y a un truc au-dessus. Déjà? Waouh, ça va tellement vite. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on est mettre au-dessous. On va même passer. L'idée, ça va être à peu près d'atterrir à travers le. Ok, ça en prend, ça en prend. Voilà. Les minecarts qui volent ne sont pas des bons minecarts. Boum. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Oui, parce qu'en fait, on l'aura jamais dit au minecart, mais voler, c'est mal. Eh, mais non, 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 s'il vous plaît, là, non, pas le fait de pour ça. Eh. Hein. Ok, elle était nulle. Et après? Bon, c'est bon, j'ai compris. Est-ce qu'on est toujours bon? On a l'air, hein? Est-ce que. Mais j'ai. Eh, j'ai foiré mon alignement. Mais quel. Bah, que bravo! On va remonter de un cran. Tac. Voilà, c'est pas grave. Hein. De toute façon.
Bon, ça c'est grave par contre. De toute façon, je referai un joli pattern après, hein, quelque chose d'un peu plus propre. Là, le but c'est juste de poser les cartes au bon endroit, de regarder de quelle taille on a besoin, et puis ensuite bah, je construirai, je m'arrangerai pour faire autour une quelque chose d'assez joli. Tac, voilà. Alors qu'on est un ou deux, c'est vraiment chaque chose en son temps quoi. On va pas. Et puis sans compter que, bah évidemment, il n'y en a pas un d'ascenseur à faire, il y en a quatre. À chaque pilier. Alors à la base, la vraie tour, sauf erreur, il n'y a que deux ascenseurs. Plus un des piliers avec un ascenseur de. Ah, j'ai un petit doute. Il me semble que ça doit être ça. Avec un... Il me semble qu'il y aurait un ascenseur de service sur le... un troisième pilier. Ouais, je suis plus sûr. Je recontrôlerai pour la prochaine fois. Mais moi, je me suis dit, ouais. On va en mettre un de chaque côté parce que, quel que soit l'endroit d'où je viens, j'ai envie de pouvoir monter. J'ai pas envie de devoir faire la moitié du. Traverser la moitié du continent pour avoir le droit de monter sur ma tour. Poum, poum, poum. Ok, on est en haut. Voilà. Alors, ici. Tac. Ah, là, on n'est pas monté. Donc, on va remonter. Là aussi. Voilà. Voilà, tac, tac. Voilà, et comme ça, on va passer largement à côté, plus loin. Normalement. Normalement, parce que là, je dis ça, mais j'ai l'impression qu'on se rapproche dangereusement du bord. Ouais. Alors, quoi qu'il en soit. Tac, on va aller poser du kart. Alors, on va regarder à quelle distance on peut se mettre. Ça dépend vraiment de... Ça dépend vraiment de comment on fait notre truc, à savoir qu'il y a une distance limite, je ne la connais pas, alors je fais à peu près, parce que de toute façon on n'est pas un nombre rond de carré puisqu'on est en diagonale. Donc pour savoir exactement où il faut se mettre, c'est un petit peu olé olé. Donc on fait au pif, on regarde la plus grande distance possible. Voilà, c'est pas ce que je pensais, là je peux juste pas. Donc on va se mettre un cran plus vite. On récupère ça, on récupère ça. Je pense que là, par contre, ça joue, il n'y a aucun souci, hein. On a moins de 3 blocs. Qu'est-ce que je dis? 1, 2. Ouais, on a 3 blocs et demi. Ouais, ça joue. Ok. Alors maintenant je sais. Donc j'ai un trou, un carte, un trou, un carte. Ok, on va tenter. Alors, un trou, un carte. Un trou, un carte, un trou, un carte, un trou, un carte, un trou, et un carte, et un trou, et un carte, etc. Ouais, mais je vais regarder par rapport à cette histoire. Ouais, non, on est quand même plus dedans, hein, ça va jouer. Ça va jouer. Normalement, en tout cas, d'après ce que j'avais vu sur mon plan, ça devait jouer. Après, je ne suis pas à l'abri d'une erreur parce que j'interprète pas forcément toujours juste, hein. Il faut bien aussi en tenir compte. Le coefficient d'erreur de lecture est particulièrement élevé chez les cyberpangolins. Tac. Alors, on va déjà venir jusque. Ça c'est faux. Mon bon monsieur, où vous êtes planté? Voilà. Ici. Allez. Il veut pas. Bon, on se met là. Non, il veut pas. Un petit carte, il veut pas se poser. Ok, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Je pense qu'on a affaire à un crash serveur. On va tester. Ah bah voilà, serveur shutting down. Ok. Alors du coup, je re tout de suite, les amis. Et on se retrouve. On se retrouve les amis. Boum. Tac. Donc on était là. Voilà, donc effectivement, il y avait un crash serveur. C'est probablement lié à ce qu'on a de tout nouveau, tout nouveau. Je pourrais pas vous dire ce que c'est, donc qui peut faire crasher comme ça. Mais ma foi, c'est des choses qui arrivent. Les aléas du direct, comme on dit. Sauf que vous êtes en différé, mais on ne le dira pas. Ok, bref. Passons. Tac, tac, tac,
Tac, ok, c'est impec. Comme on voit là, j'avais un petit doute, mais comme on voit là sur la vue, clairement, on va se retrouver bien dans la zone, hein, la zone carrée. Il n'y a aucun souci à se faire. Donc on peut continuer tranquille. Voilà. Alors ce que je propose maintenant, je vais continuer dans mon petit coin pendant un petit moment. Hein, ce sera, ah, je n'ai pour quelques minutes quoi. Mais je pense, du moment que vous avez vu à quoi ça ressemble, je pense pas que ça vous apporte grand-chose de revoir ça. Donc, enfin, de me voir poser juste des blocs comme ça. Donc, je continue et on se retrouve juste après. Allez. Voilà. Et toi là, enlève-toi. Enlève-toi. Voilà, t'es mieux. Ah. Bon. Ok, alors on va monter ça. Du coup, j'ai pu poser tous les blocs. Hein. Du coup, je vous reprends. J'ai plus qu'à mettre mes petits minecarts. 1, 2, tac. Alors, mon Dieu. Est-ce que je suis vraiment juste? Un petit souci là. Tac. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Là j'aurais dû repartir comme ça. Je suis faux. Alors, du coup, c'était là. Donc c'est. Ok, alors. Je vais réparer mes dégâts et on se retrouve juste après. Ah oui, le fail point, c'est pour maintenant. Et nous avons Killbit qui nous rejoint. Salut Killbit. Je suis en record. Dis coucou à ma caméra. Mouahaha. Et il dit coucou. Voilà, ça c'est fait. Et j'ai toujours pas fini de réparer mes dégâts, hein, évidemment. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Je suis toujours en train d'y travailler. Alors, on va casser ça. Eh ben c'est parfait, il attendait justement une nouvelle vidéo. C'est pour bientôt. Voilà, maintenant on fait genre ouais, rencontre avec des fans, en fait, vous allez me demander maintenant combien je l'ai payé pour qu'ils me disent ça. Eh ben rien du tout, hein. Je précise, c'est. Je ne lui ai rien demandé. Hein. Killbit, s'il te plaît, tu peux commenter pour leur dire que je t'ai pas payé. Alors, tac. Ok, alors. Je sais pas si je suis juste. Il faut vraiment que j'aille regarder. Donc, tac, tac. Ah ouais, d'accord, non, là je suis faux. Mais c'est pas grave. Au moins, on a vu. Oui, alors ça, c'est les hasards du terrain. Parce qu'à la base, je visais un autre terrain. Je visais un autre terrain qui était un peu plus loin et qui était. Non, un peu plus près du spawn, pardon. C'était en fait toute la zone là-bas. Je voulais faire que les deux piliers qu'on voit là au fond, ce soit les deux piliers. Sur lequel on est et son copain juste là. Donc ça aurait décalé la tour de 150 blocs, mais ça n'a pas pu se faire puisqu'il y avait le labyrinthe for fun au milieu qui s'appelle zone secrète. Et alors moi j'ai vu qu'il y avait une zone secrète, alors je me suis dit non, on va pas gâcher leur secret. Alors, tac, on monte, on monte, on monte. Et oui, du coup, je pose les blocs avec vous alors que j'avais dit que je ne faisais pas car c'était pas un rang. Faut juste savoir par où passer. En gros, sur le pilier extérieur, tu piles sur majuscule, sur saut et tu montes. Voilà. Comme ça, il sait comment on fait. Et en plus, on m'avait entendu que je pense quasiment aussi vite que je tape. Voilà, ça je récupère. Le reste, je m'en fiche pour l'instant. Je ferai ça plus tard. Tac. Voilà, alors. On va continuer. Boum. Voilà.
Et du coup, ben, je vais passer, oui, Kiden Live pour tout ce qui est montage, hein. C'est tellement plus puissant qu'OpenShot. Sauf pour certaines animations où je vais garder OpenShot, mais ce sera juste dans ce cas-là. Parce qu'à l'utiliser, c'est infiniment plus agréable, c'est beaucoup plus pro. Et donc, ça me plaît beaucoup mieux en fait. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, Furious Fish qui m'a demandé, qu'on vient de voir partir, qui m'a demandé si je pouvais faire une vidéo avec lui. Oui, sans doute. Sans doute. Une fois, quand tu auras le temps. Car c'est ça dont je manque le plus dans ma vie, c'est du temps. Voilà. Ok, alors on va aller poser des minecarts. Donc on a là, donc on aura là. Boum. Ensuite, on a là. Un là. Un ici, s'il vous plaît. Ah non, pas ici. Ah bah parfait, il sera juste en haut. Mais que c'est beau quand c'est bien designé. Tac. Il faudra que je trouve un moyen pour les bloquer, ces minecarts, par contre. Alors, tac. Oh, on va vite passer en bas, messieurs, dames. Ah oui. Forcément, si je me mets là, je ne passe plus. On va le reposer là. Tac. Tac. Oh le, viens là. Voilà. Ok. Boum. Alors maintenant on va voir si j'ai bien fait mes calculs ou si je me suis planté à nouveau. Ok, alors on va monter dans le minecart ici. On va mettre dans la bonne direction. Tac. Et hop, on est parti. Mais que c'est beau, ça fonctionne impeccablement. Ah. Alors là, boum. L'ascenseur fonctionne. Ok. Voilà, l'ascenseur est donc fonctionnel. Fantastique. Et maintenant, nous allons pouvoir faire une vidéo de démonstration. Ok. Et voilà. On va se mettre comme ça. Boum. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce premier ascenseur à Minecraft. Ok, on peut pas regarder dans la bonne direction. Aujourd'hui, nous allons monter pour la première fois le premier étage de la tour Eiffel. Hé hé! Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Wow. Oula, je me retrouve à l'intérieur de moi-même. Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave pour la vidéo, ça ira quand même. Tac. Bref, quoi qu'il en soit, on va enlever celui-là. Allez, enlève-toi. Merci. Voilà, donc ça marche. Tac, 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 tac. Et voilà, nous sommes en haut. Elle est pas belle la vie. Alors du coup, prochain épisode, on fera toute la partie en haut là, la espèce de cabine d'arrivée, enfin comment, le bâtiment où on a l'accès aux ascenseurs. Et voilà. Ah bah Killbit qui file, moi aussi. À plus. Youhou! Ok, est-ce qu'on peut descendre l'ascenseur? Non, on ne.
Ah oui, on peut le descendre, je pense. Non, on n'arrive juste pas, c'est juste trop loin. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. Je veux pas dire. Je veux dire, j'ai pas inventé la poudre, hein. Le meilleur moyen pour descendre, c'est encore comme ça. Voilà, si possible, sans se vautrer par terre en arrivant en bas. Enfin bon. Voilà, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce de votre couleur préférée. Et moi, je vous dis d'ores et déjà à la prochaine. Ciao tout le monde!